seconds from panic. Hey, hey, I can't escape it. I'm 10 seconds from panic again. No, no, nothing could help me live through this. The memory of my sins. Et yo les frérots, j'espère que vous allez tous très très bien. On va rejouer aujourd'hui le Vegeta Doudoun, comme je l'ai appelé, dans la team Movie. Vous allez voir que c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Alors oui, certes, le Vegeta il est Kikoa, on va jouer dans une team plutôt orientée Strike, donc il va plus jouer le rôle de pivot ici. Vous allez voir, les dégâts peuvent être très bons, mais vont pas être aussi excellents dans l'autre team. En fait, c'est deux fois différent. Vous allez voir qu'il va largement mieux tanker dans cette team. Par contre, en contrepartie, eh ben avec l'autre team, il va faire plus de dégâts, donc c'est à voir. La KZ par contre n'est pas intéressante pour la team. Faudrait le jouer avec le Vegeta violet. Je ne l'ai pas évidemment, mais j'ai eu quand même le Metal Cooler 7 étoiles, donc c'est déjà pas mal. Et je trouve que ça va être super stylé de jouer ce Vegeta avec Metal Cooler et Bojack. Et vous allez voir que cette team, j'attends vraiment qu'on se tourne plus sur la célébration de DBS Broly, parce que vous allez voir que la team elle peut être vraiment très très bonne à des moments. Donc une team sans Zenkai face à des Zenkai, on est dans le top combien? J'ai pas beaucoup farmé cette saison, 5000, c'est parfait, ça sera plus simple pour moi pour faire le showcase. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner les frérots. Dès demain, on pourra l'avoir à 14 étoiles, alors évidemment, showcase. Allez les frérots, on passe tout de suite sur les games, pardon. Ok, ok, Team Fusion, ça va être compliqué, sans bleu, de venir embêter cette red-red-green, clairement. Mais lui, en contrepartie, il a pas un vert qui peut nous embêter. Mais il a pas un rouge, mais on va pas jouer jaune, donc en vrai... Personne n'aura davantage type, mais bon, vu les dégâts qu'il va mettre, je pense que je vais pleurer. Et let's go, les gars! Vegeta! Il joue pas Kefla, d'accord. Allez, à nous de le gagner, celui-là. Ouh, let's go! Ouh, il en avait fait un bon aussi. Hein. Ok. En vrai, on soigne. Hein. Oh, les dégâts! C'est énervé. Hein. C'est bien joué, ça, de sa part. En vrai, Bojack tank pas mal ici. Ça va. Ça me convient en tout cas. Ok. Ça va trop vite. Ça va trop vite, il a pas fait de spé. Ça pourrait être contré ça. Ok. C'est bien. En plus on va pouvoir profiter du soin de Bojack. Donc on switch très très vite avant de faire une bêtise. Oh les TK. Ça serait bien d'attraper avec Vegeta ici. Allez, encore une fois. Aïe, 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 aïe. On va pas perdre le Vegeta quand même, je pense pas. Il y a Gogeta, mais on va pouvoir mettre Bojack. Ça carry, hein. Ça carry ici, ça nous sauve le perso, clairement. Alors, autant vous dire que je vais envoyer la sauce avec Metal Cooler ici. Bon, il me reste que je me... Oh let's go. Oh bah là il est mort. Là il est mort, c'est sûr et certain. Donc par contre on va faire super mal à la team adverse, même sur le banc. Regardez les dégâts sur le banc. C'est aussi grâce au Vegeta. Hein. Oh ça carry aussi. Trop fort. On va rien faire ici. Vegeta entre en action. La vitesse de pioche. Pouh, les dégâts qu'il a fait là sur le crit. Let's go, ça dégage.
Let's go! La win, les gars! La win! Let's go! Oh, je suis refait de cette game. Incroyable, vous avez vu les dégâts de Metal Cooler sur l'ulti, ça a complètement carry. Vous avez vu, mais voilà, ça a quasiment tué deux persos en fait. Si vous mettez tout à bout, enfin bref, c'était le combo parfait. C'était une des seules chances pour nous de gagner cette game et on s'est bien démerdé. Très choqué des dégâts du Vegeta contre son Vegeto jaune, alors que pourtant le Vegeta là, il a le moins de boost possible. Hein. C'est le moment où il a plus rien, quasiment plus rien. Donc bon, allez, on part sur une deuxième. Ok, Team Saiyan avec Migate et avec du Zenkai. Alors je pense qu'il va jouer les 3 Zenkai. Donc son Goku SSJ 3 est pénible. Son Goku est pénible. Si on n'a pas un petit peu moins. Le pire pour nous, ça serait presque qu'il prenne double violet avec Migate. Et le mieux, ça serait qu'il prenne Majin. Mais ça, je doute. Allez, c'est parti, les gars. Allez, voilà. Ah, ça, il joue pas. Ah, ok. Alors ça par contre les gars, ça carry hein, aussi. Ok. Ok. Vas-y Bojack hein. Ouh, il est en train de faire le taf Bojack. Parfait. Parfait aussi. Ok. Ça se passe exactement comme on le veut là. Et ça, ça me bat. On va le mettre à un PV, ça serait vraiment bien tué là. Je vois tellement bien venir le dash avant ici les gars, vous imaginez même pas comment. Je l'avais annoncé. Et ben on va perdre Bojack. Et non. Oh let's go. Let's go, on peut remettre le Vegeta. Oh comment il aurait dû balancer l'ulti avant. Il a tellement mal joué là dessus. J'ai pas compris. Ah, let's go! Bojack! L'aspect. Il s'est soigné en plus. Bouh! Ok. D'accord. Oh, dommage. Ouais bah Bojack il va pas pouvoir tout faire hein. Ah c'était trop risqué les frérots, on perd cette game. Ok, ça fait super longtemps que j'avais pas croisé de team aussi peu étoilé dans le ladder. Sans doute un free to play en face mais qui peut quand même nous faire mal hein. J'ai déjà lui de jouer cette team en ladder. Nous par contre on va partir avec la movie ici, ça serait bien de choper son Goku Blue avec notre Metal Cooler pour pouvoir ulti dessus et après le banc on va le détruire. Ok les frérots, let's go. Ça a l'air de laguer en face, c'est assez chiant. Ok ça lag. Ok j'ai compris, bien joué le breakover, rien à dire hein, mais par contre les lags, voilà frérot. Toi t'es report à la fin de la game, t'es report complètement. Ah je vais virer hein. Mais quoi on a... Mais on a vu le Vegeta reculer les gars. Ah y'a des trucs qui m'échappent. Y'a des trucs qui m'échappent de toute façon c'est pas grave. On va la rattraper la game, je vais la gagner, j'en ai rien à foutre hein, mais après. Juste faut pas que ça lag quoi, c'est chiant. Ouais.
Ok, vas-y frérot, mais vas-y, balance la sauce. Vas-y, balance la sauce, voilà, t'es une merde. C'est nul, t'as une belle team frérot et tu fais n'importe quoi, enfin c'est... Après on va me dire ouais mais c'est pas fait exprès, non mais c'est... Regardez ça, ça n'a strictement aucun sens en fait. Je peux même pas recover, je sais même pas ce que j'ai fait. Non mais... Ah non mais regardez, je peux pas. Bien joué à toi frérot. Je vous ai dit hein, je vais la gagner la game. C'est juste, c'est nul de jouer comme ça, c'est tout. Ok. Ah, let's go. C'est bon frérot. C'est ridicule. Bon, on va abréger ses souffrances ici. Voilà. Le migaté qu'on va mettre quasiment à un PV. Regardez les dégâts qu'on va faire. C'est là où on voit que le Metacooler il rigole zéro en vrai. Sa team elle est pas étoilée, mais là par contre les dégâts c'est n'importe quoi. C'est pour ça que j'aurais vraiment voulu vous donner une game de qualité. Malheureusement, c'est le contenu du ladder actuel. Par contre, ce qu'il a pris le migaté, c'est vénère. C'était... Ah dommage, c'était... en vrai ça c'était bien joué. Ouais voilà, par contre migaté c'est la destruction les frérots. Donc troisième game, une victoire. En vrai j'aurais voulu m'arrêter une troisième game, mais quand je vois la qualité de celle-là les gars, je suis obligé de vous en fournir une autre, parce que je me doute c'est pas très agréable à regarder, mais c'est pas également agréable à jouer. Et c'est vrai qu'à force je suis salé sur ça, parce que depuis quelques semaines franchement c'est vraiment quelque chose qui est quotidien. Et je suis pas le seul à me plaindre, on est extrêmement nombreux. Et je sais pas pourquoi il y a ce genre de cancer, et c'est vraiment dommage. Il va falloir faire quelque chose au niveau de... Je sais pas, avoir une... Je sais pas, une icône qui affiche notre connexion, comme sur pour ceux qui jouent à FIFA, enfin des trucs comme ça, mais bon bref. Allez, on passe sur une dernière. Ok les gars, et bah c'est une deuxième team fusion, pardon. Un petit peu moins étoilée que la première. On part là-dessus avec le Vigitana. Allez, on est parti. Peut-être un jaune en face. Non, pas de jaune. Ah, c'est bien joué de sa part ici, rien à dire. C'est très très bien joué. Ok, ça marche souvent. Oh, on peut stun ici maintenant. Ça aurait été beau là, juste après sa nullification. Ah, dommage. Je suis pas serein de la Kiko ici. Ah, si. Ok, on a la main parfaite ici pour aller faire mal à Kefla. Bon, allez, Rising Rush ici, sans doute, sur Vigitobo. Parfait. Absolument parfait, les gars. Ouh, le jeu aujourd'hui il a envie de me rendre salé, c'est pas possible autrement. Ok, super. Bon, on va perdre le Vegeta. Voilà, voilà ce que vous aurez vu du Vegeta, les gars, un compte du RR. Hein. Voilà. Je peux pas faire autrement. C'est... On perd le Vegeta. Et ça se joue à pas grand chose, hein, mais je peux. Voilà. C'est le compte du RR, je ne peux pas faire mieux, les gars. Regardez dans quelle sauce ça me met, c'est terrible. C'est pas grave, il peut garder son végéto, faire l'ulti, c'est parfait, le jeu me chie dessus. Ok. On tue pas, 100 000 PV, c'est cool. Ok, let's go ici. On va mettre Vegito à 1 PV, ça c'est bien. Mais après là, c'est encore en train de faire le taf le pivot de Vegeta, hein, les gars. Non. Ça dégage. Un strike ici, ça semble dash avant. Ok, c'est bon. C'est bon, on s'en sort dans cette game, c'est plutôt cool les frérots. Donc, on a vu des très belles choses de Vegeta en vrai, réellement, à la première game. La deuxième game, encore, ça allait, même si on a très vite perdu le fil face à Desenkai. Cette team, de toute façon, c'est clairement pas terrible. Clairement, je pense que la team, vous pouvez jouer top 10 000, 7 8 000 bien, et après, ça se complique. Mais encore une fois, le Vegeta n'est que 6 étoiles. Attendons d'avoir 14 étoiles pour avoir un avis définitif, et on sait bien que ce sera pas sa team optimisée.
Mais j'ai quand même voulu jouer en team film parce que déjà demain je trouve ça très stylé. Petit pouce bleu les frérots, on soutient la chaîne. Et moi aussi, je vous soutiens de votre soutien. Merci à tous les frérots et ciao.